Salut les bandits, vous allez bien? Alors nous, c'est une bonne journée qui s'annonce là, parce qu'apparemment le vent c'est quasiment terminé, ils annoncent 10-12 km/h de vent, donc c'est franchement c'est cool. Et bah voilà, faut que je m'attaque à faire le bus, mais avant j'ai une petite mobylette, allez voir. On va voir une mob à 5 minutes de chez nous. On a dit ah vas-y c'est trop tentant, faut qu'on y aille. Donc on a rendez-vous tout à l'heure à 11 h, je vais aller voir si je peux retrouver un casque, je sais plus où j'ai rangé ça. Et bah voilà, une 103 Vogue en plus mon rêve. Vous vous rendez compte? Un petit rêve quoi. C'est un tout petit, celui-là a été rangé dans un fond de tiroir. Mais du coup, je vais peut-être pouvoir le réaliser. Alors c'est cool, après on pourra se faire des virants entre bandits. Franchement, c'est pas canon ça. Donc je vais voir pour le casque et puis on part ensemble voir la mobylette. Allez, à tout à l'heure. Bon, et bien voilà, on est prêt. On va voir la petite mob. c'est la première fois que je mets ça. Tiens, j'ai mis la GoPro, je l'ai collé sur le casque. J'ai trouvé que ça en casque, il me semblait que j'avais un 2, mais je le retrouve plus. Alors, je sais pas si ça tient, ça. Par contre, si je fais une petite pointe, genre à 200-240 km/h, je sais pas si ça va tenir. Vous avez déjà essayé ça, vous? Ça tient bien? Ça colle bien, en tout cas, ça a l'air de bien coller. Donc, on verra. Bon, j'essaierai de pas dépasser les 200, en tout cas, avec la Vogue. Ça devrait le faire. Allez, c'est parti. T'as plus que sur le starter, mais non, je t'as plus que sur le décompresseur. La décompression, elle est là. Allez, lâche, lâche, décompresseur. Allez, nom de Dieu. Fort. Allez, 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 lâche la décompression. Et quand tu lâches la décompression, faut continuer, faut y aller. Hein. Allez, 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 voilà, c'est bon, c'est bon. Ça y est, il a plus de jambes. C'est la selle qui fait suspension, pas de suspension là. Derrière, hein. Non, elle est pas là. Elle fait pas de bruit, hein. Ah bah ça fait pas de bruit quand tu l'ouvres comme ça. Ah bah non, ça fait que les chiquettes sont pas enlevées. Papa, papa. Comme il est tout fier. Bon, eh bien. Et quota, Jérémy? Non, hein? C'est une mobylette qui était à 400 euros, petit père, il veut pas la descendre, hein? Ouais, il a du mal à lâcher un peu. Du coup, on a réussi à l'avoir à 350 et on va rechercher 50 balles, là. C'est pas le moment d'acheter des conneries comme ça. C'est clair, Jérémy, tu fais chier, mais sérieux. Oui, mais ça, c'est moi, si vous me connaissez pas encore. En même temps, c'est une Vogue, merde, 400 euros, j'achetais ça 200 francs, moi, à l'époque. Ça coûtait attends, 200 balles. 2019, maintenant. Attends, ça coûtait 200 francs une mobylette. C'est un truc de fou quand t'as même. T'as vu le gasoil, quoi, l'essence, mais... Ah là, c'était il 5 a... francs. Attends, on a négocié sévère pour 50 grave. Balles, j'ai jamais vu ça. Grave. Ah là là, et moi, ça y est, j'étais prêt à dire non, c'est bon, moi. Ça va. Bah, moi, je te disais aussi, c'est je veux bien que c'est vintage et tout, mais ça reste une Vogue. C'est pour ça aussi que j'ai choisi une Vogue, parce que bah, les Vogues, ça vaut pas grand-chose. Elles sont moins cotées que les motobécanes, voilà, les 51, les 33 MDL, les Spix, tout ça. Voilà, je trouve que 400 euros, vous allez peut-être me dire non, c'est pas cher, mais si, je trouve que c'est cher. Même 350, je trouve que c'est cher. Après, moi, même 300, même 200, ouais. Pour moi, c'est cher. Mais non. Mais moi, j'y après, connais rien. Elle est quand même en superbe état, elle n'est pas du tout modifiée. Elle démarre au quart de tour, vous avez vu Théo et tout. Franchement, j'ai juste à la prendre et puis à faire la carte grise, l'assurer. Mais c'est bon, on route les balades, les bandits. Donc, allez, on va retirer 50 euros. Ça, c'est un petit véhicule qui nous servira par la suite. Il faut dire qu'elle est à 5 minutes de chez nous, quoi. Ouais, puis elle a 5 minutes, donc ça nous évite de dépenser du gasoil et tout. Ouais. Donc allez, on va chercher les sous et puis... Affaire à suivre. On revient la chercher et puis on se fait un petit plan GoPro. J'ai mis la GoPro sur le casque et tout. Et, un gros kéké. Ah ouais, kéké, tu vas voir. Moi, je vais te mettre un vent avec ma Vogue. Je te jure. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Allez, en route!
déjà fait spolier la mobilette, hein. C'est un truc de dingue. Là, c'est Lucie qui est en train d'en faire. Attention parce que là maintenant tu vas avoir du ballon. Doucement, stop, arrête d'accélérer, pas trop fort. Regarde la différence, t'as vu quand il est derrière? La direction est plus lourde, hein. T'as vu? Tu vois? Doucement, doucement. Ah, c'est jeune. Bon, on l'a tous fait ça, je crois, non? Faire de la mobilette. Petit comme ça. Je suis étonné, quoi, Lucie. Ça, tu vas voir quand il sera grand, ça. Il y va avec la mobilette. Il est sérieux, là. Viens, regarde. Il a fait un cadavre, papa. Elle est démarrée. Trop content, on vient de recevoir une petite enveloppe avec un petit mot d'un bandit et ils nous ont offert des petites graines. Des petites graines, il y a des graines Cocopelli, donc ça c'est trop cool. Les graines Cocopelli, c'est des graines entre guillemets que vous pouvez replanter, ressemer, vous pouvez refaire des graines avec vos légumes et ainsi de suite. Et voilà, c'est le principe en fait de la graine. Le légume donne une graine, quand on laisse trop pousser longtemps, il donne des graines. Vous les faites sécher, vous pouvez les repousser, les replanter, les ressemer l'année d'après. Le problème avec les graines qui vendent dans les grandes surfaces, en général, et surtout s'il est marqué F1, parce que moi j'ai travaillé un petit peu dans les graines, j'ai travaillé à Villemorin quand j'étais beaucoup plus jeune. Et, il faut savoir, quand j'étais beaucoup plus jeune, il faut savoir qu'il y a un traitement qui est fait sur les graines pour que vous ne puissiez pas les pour que ça ne refera pas de graines en fait. Voilà, c'est fait exprès pour que vous rachetez des graines tous les ans. Et du coup, ça bride les semences. Après, je vous invite à aller vous renseigner sur les semences en général. N'achetez plus vos semences dans les grandes surfaces, entre guillemets, parce que c'est pas terrible. Ou alors, il faut vraiment que ce soit de la semence bio et qui n'ait pas été traitée, en fait. Et je vous invite à aller vous renseigner justement sur toutes ces semences pour bien découvrir ce vaste monde qui est assez impressionnant. C'est un truc de fou. C'est génial, ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ce site-là pour acheter vos graines. Ça évitera de les acheter en grande surface. C'est carrément mieux. Et il y a des petites graines aussi, il m'a dit, chez Biogerme. Donc voilà, c'est des variétés anciennes. Concombre, radis violet, du pané, des tomates bigarrées. Je ne sais pas si c'est tous des anciennes, mais la plupart, c'est des variétés anciennes. Du cresson de para, cornichon. Et puis là, des petits sachets de graines aussi. Du poivre, excellent, du poivre. Du basilic. Et puis, je ne sais pas. La carotte. Donc on va planter tout ça. Maintenant c'est bon, on a ce qu'il faut en graines. Hein, chouchou. Là, ne nous envoyez plus de graines s'il vous plaît. C'est super gentil, on vous remercie. On a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à planter tout ça. Et d'ailleurs, on se posait la question. Vu qu'on est maintenant au mois de mars, je ne sais pas si c'est valable de faire des semis. Ou est-ce qu'il faut qu'on plante directement en pleine terre dès qu'on sera sûr qu'il n'y aura plus de gelée. Qu'est-ce que t'en penses, toi, chouchou? Tu sais pas. Bah non, parce que là, le mois de mars, ouais, il est bientôt fini. Ouais, c'est bientôt le mois d'avril, hein. On va pouvoir commencer à semer. Avril ne te découvre pas d'un fil. Ou alors on commence à faire des petites semis au sec dans le garage où on sait qu'il y a de la lumière et qui ne gérera pas. Ouais, voilà. Ouais, c'est de faire ça. En tout cas, je vous remercie vraiment à tous ceux qui m'ont donné des graines et qui me les ont envoyées. C'est super gentil à vous. Voilà, en tout cas, merci encore et bisous!
Allez, bye bye. Bye bye. Voilà.